Salut. Bon, enfin, je m'inquiétais. Non, j'étais dans la douche. Tu reviens toujours au travail cet avant-midi, là? Oui, oui, comme on avait convenu. Pour 10 heures, c'est correct? Oui, oui. T'es sûr que ça va? Oui, oui, je te ferai pas faux bond. Je suis certain que ça va bien se passer. Oui, moi aussi. Tu reprendras le collier progressivement, là, puis... un jour à la fois, hein? Je vais te laisser, là, si je veux arriver à temps. OK, mais je t'embrasse. À plus tard. Anne-Sophie. Oui? Je suis très heureux de ça. Oui, moi aussi. Bonjour, Christelle. Allô? Je suis contente de vous revoir. Moi aussi. Monsieur Baudrillard vous attend dans la salle de conférence. Merci. Un café? Non, c'est gentil. Bonjour, Anne-Sophie. Tellement heureuse que tu reviens. Merci. Les clients du domaine Lestriel viennent d'arriver. Ouais, ben je vais déposer ça puis je les rejoins. OK. Thank you.
Bonjour. 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 Alors, d'emblée, je tiens à vous rassurer. Tout ce que nous vous présentons aujourd'hui, en fait, d'ameublement et de décoration, respecte l'esprit et l'architecture de votre domaine de ski. Et de plein air l'été. Oui, on a bien tenu compte des quatre saisons, vous allez voir. Oui, notre équipe a conçu quatre types d'intérieurs selon la grandeur des unités de condo. Et nous avons aussi essayé de respecter scrupuleusement le budget alloué, bien évidemment. En fait, ce qu'on vous propose, c'est une signature résolument contemporaine selon les goûts de la clientèle de prestige que vous visez. Exactement. OK, alors, pour le condo familial, on vous propose un style un peu plus cosy. Moins design que les autres. Le confort, c'est important aussi. Bien sûr. Alors, le séjour. Ce qu'on vous propose, c'est des modules adaptables selon l'âge des enfants. On a aussi prévu différentes versions au niveau des couleurs et au niveau des tissus des meubles. Selon l'âge des enfants. Et ça va aller aussi selon l'orientation. Nord, sud, est, ouest. Les condos, évidemment, sont différents selon leur position. Il va y avoir des... Il y a quelqu'un qui l'a frappé! On a aussi prévu différentes versions au niveau des couleurs et au niveau des tissus des meubles. Mais je vous rassure, tout de suite, encore une fois, ça reste dans une gamme de prix. C'est pas terminé. J'ai mes collègues neurologues qui sont au travail. OK. Mais vous êtes confiant? À ce stade-ci, je peux pas me prononcer. Mais on peut rien exclure, malheureusement. Mais pour le moment, revenons là, aux différentes variations. Vous avez des échantillons à nous montrer? Alors ça, c'est le... Bon, pour les meubles, la salle de... On vous a préparé une présentation vidéo de toutes les combinaisons possibles. Pour les meubles de la salle à manger, ce qu'on vous propose, c'est quatre choix selon les types d'unités. Donc, 16 possibilités. Non, 4. Je comprends pas, là. Excusez-moi. Ben tiens, je suggère qu'on regarde tout de suite les vidéos du mobilier. Ça va être plus simple comme ça. Oui, je pars ça tout de suite. C'est comme vous voulez. Donnez-moi juste une petite minute. Anne-Sou, reviens, s'il te plaît. On va finir ça vite. Je suis pas capable. Ça va aller? Ça va aller si je rentre ici. Thank you.
J'espère que votre femme ira mieux. Un petit malaise. Ça arrive de temps en temps. Faites-lui nos amitiés. Je vais vous raccompagner. Chez la famille Boudria, laissez-nous un message. Clara, Guillaume, Anne-Sophie ou Bernard vous rappellera. Bon, ben, tu te reposes sans doute, mais s'il te plaît, peux-tu répondre juste pour me rassurer? Maman? You! Chut, chut, chut. Elle doit sûrement faire une sieste, là. Hey, tu commences tes devoirs tout de suite, toi. Oh, relax. Maman? Tu vas la réveiller. Voilà. Ah non? Elle a laissé ces affaires-là. Elle doit pas être bien loin, là. Même son cellulaire? Ah non, son auto est devant, en plus. Va aller voir en arrière. J'allais voir sous-sol. Tu as eu tes notes de maths, finalement? Ça fait longtemps, ça. Moi, ça, j'ai pas vu ça, là. T'es tout le temps parti, t'en manques des bouts. Moi, dans le son, là. C'est le nez. Ça a passé proche. Tu veux-tu aller chercher ton petit frère? Ton père s'en vient. J'ai pas trop envie de lui voir la face. Hein. Je sais, mais il a été assez puni. Lui.
café, madame, s'il vous plaît. Échapper ça. Bien gentil. Merci. C'est bien long, la police. Ils m'ont mis en attente. On a besoin de renseignements. C'est une disparition, c'est grave. Quelque part? Pour l'instant, rien. J'aurais d'autres questions à vous poser, si vous permettez. Oui, allez-y. Avez-vous appelé dans son réseau chez les amis de la parenté? Oui, je viens juste le faire, mais personne ne l'a vu. Ça fait un maximum de 4 heures. Oui, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle est partie sans rien ou presque. Non, pas du tout. Je vais fournir votre dossier à un policier qui va se rendre à votre domicile. Ça va être encore long? On fait notre possible, monsieur. Ben, OK. Je vous attends. J'ai trouvé ça dans la chambre de Guillaume. Ne touchez à rien ici, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse. Anne-Sophie. Vous cherchez quoi? Votre chat, votre chien, une femme de ménage, un appartement? Un peu tout ça, finalement. Bon. Vous trouverez pas grand-chose là-dedans. Ça fait longtemps que c'est là, ça date. Ça serait beaucoup plus fiable sur Internet. J'ai pas celui-là. Ah non, c'est rare. Non, je prends un congé. J'ai un genre de cure de tout ça. On devrait, tout le monde. Question de se déprogrammer. Je peux pas croire que tu pars toute seule. Avec qui tu veux que j'y aille? Personne n'est plus capable de m'endurer. Je suis trop. Mais non, voyons. Les gens sont juste respectueux. Ils ne veulent pas s'imposer. De toute façon, Amélie, elle est tout seule, là. C'est une cure de silence. C'est pas... Je vais faire de la méditation. Je vais prendre des grandes marches. Pas besoin de personne, hein. J'aurais pu, moi. Je suis jamais allée à Vancouver. Non, c'est à Tofino. C'est pas pareil, c'est pas...